Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment changer l'atterrissage qui vient avec, par défaut, qui vient avec la CPU. Donc, si vous voulez, on va créer le projet du début. On va faire la configuration matérielle. Voilà, donc on va refaire tout à zéro. On va nommer notre projet. Donc on va insérer notre station cinématique dans l'ensemble. Voilà. On entre. Voilà le matériel. Voilà. Donc on ajoute un rack. Après, on commence toujours par ajouter l'élément d'ancien. Objet. Après, on ajoute la CPU. On avait déjà ça. On va choisir cette fois celle par exemple, non, dans le 113. Voilà, donc pour entrer en détail, voici la CPU. Voilà les blocs d'entrée. Nous avons 24 digital input et 16 digital output. Donc pour changer cet atterrissage, tout simplement on va cliquer ici. Voilà, voici le nom, voici les adresses. Donc on va décocher ça, donc c'est sans coche, donc les valeurs par défaut. Voilà, il est sorti ici pareil. Par exemple, on va commencer par 0. Donc ça commence avec E0. Et la sortie, c'est pareil, 0. OK. Voilà. Donc nous avons l'adresse d'entrée, c'est 0 jusqu'à 2. Et l'adresse de sortie, c'est 0 jusqu'à 1. D'accord? Nous avons ici, chaque, par exemple, un byte, il a 8 bits. D'accord? Donc nous avons E0.1. 0, E0.1 jusqu'à E0.7, donc nous avons 8 bits, d'accord? Et nous avons le E0, le E1, le E3, donc 8 fois 3, donc c'est 24, 24 sorties. Et c'est pareil pour le, enfin 24 entrées, c'est pareil pour la sortie. Nous avons 8 bits pour le 0 et 8 bits pour le 1, 8 plus 8, ça donne 16, voilà. Donc on revient ici, donc bon, on n'a pas encore enregistré, donc on doit enregistrer. On revient ici pour créer notre programme. Bon, voilà la CPU, programme, bloc. On ajoute un bloc d'organisation. Insérer un bloc d'organisation. OB1, contact, voilà. On ouvre notre bloc. Voilà, donc c'est là qu'on va faire notre application. On va refaire la même application. Démarrage direct d'un moteur. Donc on commence par contact normalement fermé. Le maintien, c'est très simple. Voilà,
Ce qui m'intéresse juste pour les adressages, voilà. Donc, on a dit qu'on a commencé par E0.0 par exemple. Ici, on va faire la dernière, c'est E2.7 par exemple. Ici, on a adressé la première entrée. Ici, on a adressé la dernière entrée, boule sur boolean. Voilà, ici, c'est la sortie. On va dire c'est A 0.0. Et si c'est le maintien, c'est pas 1.0.0. Voilà. Donc, c'est fini. À la prochaine vidéo. Merci.